21-12-2012, comme l'ont prédit les Mayas. Dans quelques jours c'est la loose, toi et moi on sera plus là. Je vais tout envoyer balader, à commencer par la belle-mère et son renard empaillé que je lui ai mis dans le derrière. J'ai envoyé chez ma femme Christine, ensuite je me suis tapé la voisine, et puis une autre voisine, et encore une autre voisine. Dans la foulée je me suis même tapé ma cousine. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes, parce que dans quelques jours c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Mon patron et mon banquier, je fais même un très gros prêt que je vais jamais rembourser. Je suis libre de tout, j'ai plus d'attache, je roule à 250 et puis flash. M'en fous, des moustaches à la Joconde, le lapin dans le micro-ondes. J'ai fumé toute la pelouse, j'fréquente les boîtes à partout. C'est sur le mannequin piece et insulter la police. J'ai fait caca dans le ventilo. Je crois que j'en ai dit trop. Je m'en fous de tout, je fais des choses immondes, parce que dans quelques jours c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin. Ouais, c'est la fin du monde. Je commence à flipper, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai allumé Jean-Pierre Pernaut et m'a cloué sur mon divan. Et puis bonne nouvelle, les Mayas se sont trompés, ce n'est pas la fin du monde. J'aurais jamais dû faire toutes ces choses immondes. Maintenant j'ai l'air d'un con, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde, pas la fin du monde, pas la fin. C'est pas la fin du monde. Allô, Christine? Oui, je peux revenir? Attends, tu vas rire, c'est une blague.